La plupart du temps, nous n'avons pas quelqu'un à côté de nous pour nous dire quoi faire. Pour nous dire d'aller faire des pompes. Et pour nous donner un bon coup de pied au cul quand on décolle. Ouais. Ce qu'il faut faire, c'est de devenir son propre sergent. Pour rester haut dans ses standards et ne jamais permettre une baisse de motivation. Votre problème est que vous commencez quelque chose et que vous l'arrêtez. Vous vous sentez bien, vous le faites. Vous vous sentez mal, vous arrêtez. Les gens qui ont de la discipline, qui font les choses régulièrement et à temps, ils surpassent les gens talentueux. Tous les hommes sont créés égaux. Certains travaillent juste plus dur. Et le problème de la plupart d'entre vous, c'est que vous avez besoin de quelqu'un pour vous supporter et supporter vos rêves. Mais c'est le vôtre. Je ne vous dois rien, c'est votre rêve. Lève ton cul de cette chaise et vas-y. Si tu veux qu'il arrive, grandis et va au boulot. Et il va falloir que tu montres que tu as toute l'énergie du monde. Pourquoi? Parce que c'est mon moment. C'est mon temps. Demain. Il n'y a rien de bien dans demain. Nous n'avons qu'aujourd'hui. Toutes les décisions que vous faites un lundi, les décisions que vous faites le mardi, le mercredi, si tu décides de ne pas te lever quand ton réveil sonne, tu perds déjà du temps sur tes buts. Tu retournes déjà en arrière. Alors quel que soit ton but, quel que soit ton rêve, quelle que soit ta destinée, tes décisions doivent être en alignement avec tout ça. Maintenant, si tu veux rester beau pour le reste de ta vie, continue de faire ce que tu fais. Mais si tu veux quelque chose de différent, il va falloir que tu fasses quelque chose de différent. Il faut tout donner. Et les plus forts mentalement le savent. Non seulement tu grimperas en haut de cette montagne, mais il faudra que tu aimes faire cela. Je gravirai cette montagne, je soulèverai ses poids, je ferai ses pompes et ses abdos. Et ça va me plaire d'affronter les meilleurs. Je ne ressentirai plus la fatigue. Quand tu veux devenir un diamant, toute ton attitude change. Tout ton système de pensée, toutes tes relations, toutes les décisions que tu prends. Comment est-ce que tu dépenses ton temps, ton énergie, tout doit changer. Ici, il faut que tu sois toi. Il va falloir que tu prennes un avantage sur cette opportunité et laisse tout le reste de côté. Mange différemment, étudie différemment, entraîne-toi différemment. C'est une chose de parler de sa destinée. C'est une chose de rêver de sa destinée. Mais c'est une autre chose de se réveiller quand tu es censé te réveiller. De dire non à cette fête. De dire non à l'abandon. Quand il te reste une tonne de travail devant toi. Dis non quand ton corps te dit stop. Mais tu continues et tu feras 50 pompes de plus. Et tu ne peux même plus parler. Il faut que ça devienne toi. Il faut que ce soit en toi. Oui, c'est dur. C'est difficile. Je ne te dis pas que tous ces sacrifices vont être faciles à faire. Je ne te dis pas que ça va être facile. Mais je peux te dire ça. Ça en vaudra la peine. Ce sacrifice en vaudra la peine. Si tu arrives à faire ton chemin à travers cela. La plupart du temps, nous n'avons pas quelqu'un à côté de nous pour nous dire quoi faire. Pour nous dire d'aller faire des pompes. Et pour nous donner un bon coup de pied au cul quand on décolle. Ce qu'il faut faire, c'est de devenir son propre sergent. Pour rester haut dans ses standards et ne jamais permettre une baisse de motivation. Votre problème est que vous commencez quelque chose et que vous l'arrêtez. Vous vous sentez bien, vous le faites. Vous vous sentez mal, vous arrêtez. Les gens qui ont de la discipline, qui font les choses régulièrement et à temps, ils surpassent les gens talentueux. Tous les hommes sont créés égaux. Certains travaillent juste plus dur. Et le problème de la plupart d'entre vous, c'est que vous avez besoin de quelqu'un pour vous supporter et supporter vos rêves. Et c'est le vôtre. Je ne vous dois rien, c'est votre rêve. Lève ton cul de cette chaise et vas-y. Si tu veux qu'il arrive, grandis et va au boulot. Et il va falloir que tu montres que tu as toute l'énergie du monde. Pourquoi? Parce que c'est mon moment. C'est mon temps. Demain.
demain. Il n'y a rien de bien dans demain. Nous n'avons qu'aujourd'hui. Toutes les décisions que vous faites, toutes les décisions que vous faites un lundi, les décisions que vous faites le mardi, le mercredi, si tu décides de ne pas te lever quand ton réveil sonne, tu perds déjà du temps sur tes buts. Tu retournes déjà en arrière. Alors quel que soit ton but, quel que soit...